On va faire une petite expérience ensemble où vous allez faire des choix. Depuis le début de cette émission, peut-être n'avez-vous pas remarqué, mais il y a une prédiction ici. Elle est forte parce que... Une prédiction, les amis, on va regarder ça honnêtement, ensemble. Pas à l'intérieur de cette enveloppe, il y a plein de papiers qui représentent des personnages. Ah oui. Prends un qui est face vers le bas et tu ne regardes pas et tu ne le montres à personne. Tu prends l'enveloppe dans ton dos et dans ton dos, tu mets le petit personnage à l'intérieur de l'enveloppe. On va fermer l'enveloppe, bien évidemment. D'accord. On va sceller tout ça. C'est scellé. Du coup, toi... Et tu gardes ça avec toi, la main par-dessus. Tu as choisi un personnage que personne n'a vu. Il est dans l'enveloppe, c'est scellé. Okay. Tu l'as sous ta main. On ne peut pas tricher. On va faire un jeu pour toi, mon cher Olivier, avec les potions. Et je vais te laisser mélanger le paquet. Étale les cartes devant toi. Tu vas en glisser une en dehors du jeu. C'est toi qui as mélangé, on est d'accord? Ah, c'est moi qui ai mélangé, là. Celle-ci, elle te plaît? Ouais. C'est parfait. On va la laisser juste là. Que j'ai chopé. Mets ta main par-dessus, tu ne bouges pas. Mets ta main et tu ne bouges jamais. J'ai chopé Sky, trois fois. Tu prends le paquet de cartes dans ta main, comme ceci. Tu vas me dire un nombre entre 10 et 20. Bah, 10. 11. 11 ? Allez. T'es sûr de toi ? Ouais, ouais. Une par une, tu poses une carte, deux cartes, jusqu'à 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Mais c'est parfait, tu peux la poser. Dans ce jeu, normalement, pour ce choix de cartes, par exemple, quand les gens me disent 17, après on fait 1 et 7 pour avoir un choix supplémentaire hasardeux, ce qui nous aurait donné 8. Là, tu as pris 11, donc on a juste un 1. Donc du coup, tu enlèves une carte sur le jeu. Là que tu as pris, tu enlèves une carte. Et on va regarder celle-ci. Du coup, c'est... Expecto Patronum. On va regarder maintenant la carte que tu as comme potion, c'est... Le polynectar permet de prendre l'apparence de l'être humain de son choix. Mon cher Max, tu veux voir mon petits pointillés, tu peux déchirer complètement. Tu es tombé Severus Rogue. Sur Rogue. Alors, on a Rogue, on a le polynectar et on a Expecto Patronus. L'heure de la prédiction. Évidemment. Ah, j'adore ce moment-là. Je stresse un peu. Cher Max, je te laisse prendre le papier intérieur. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur que cette feuille. On est d'accord, il n'y a rien d'autre, on peut déchirer, montrer à tout le monde, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Et tu vas ouvrir et montrer à la caméra. Nous avons le professeur La sorcier. Avec un polynectar qui dit expecto patronum. Beau gosse. I get strung up from her loving. I wish she'd care to see. But she only cares when she's so inclined. And I fret so much about her loving.